your praise today. Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à ceux qui sont avec nous. Nous voulons bénir le Seigneur pour ce grand privilège qu'il nous a accordé ce soir de pouvoir, dans quelques minutes, entrer dans un autre jour, le samedi, le jour prévu pour notre jeûne et prière. En ce moment où le monde est dans le confinement, dans l'isolement. Mais nous croyons que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, ils feront les exploits. Ils seront forts et ils feront les exploits. La solution est entre la main de Dieu. Vous savez, quand Noé était dans la barque, Dieu a fermé la barque ou l'arche et c'est Dieu qui détenait la clé. La clé à tous nos problèmes, à tout ce dont nous avons besoin, seulement Dieu qui le détient ou qui la détient parce qu'il est capable de tout. Voilà pourquoi nous venons dire à l'Assemblée, à nos bien-aimés qui nous suivent partout, nous allons commencer un jeûne qui va commencer à minuit. Et toute la journée, on aura les temps de prière ensemble. Je veux faire participer les hommes de Dieu pour nous amener dans la parole de Dieu. Et on aura les temps de prier. Nous allons prier pourquoi? Nous allons prier parce que la Bible dit, dans 2 Chroniques, chapitre 7, si vous commencez à partir du verset 13e, la Bible dit, « Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura plus la pluie, qu'il n'y aura plus de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilier. Voici la première condition. S'humilier. Prie et cherche ma face. Et si se détourne de leur mauvaise voie, de ses mauvaises voies, je l'exaucerai de cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Vous comprenez, il y a une grande promesse, une forte promesse pour nous. Mais la toute promesse de Dieu est liée à certaines conditions. Toute promesse de Dieu est liée à certaines conditions. La Bible dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie et cherche ma face, et si se détourne de ses mauvaises voies. En d'autres mots, nous n'avons pas besoin seulement de nous humilier, non seulement de prier parce que tout le monde peut prier. Dans des moments très difficiles, tout le monde peut s'humilier quand il voit son incapacité de faire quoi que ce soit, ses limites de faire quoi que ce soit. Tout le monde peut s'humilier, tout le monde peut prier. Et il y a une troisième étape, c'est de chercher ma face. Ça prend du temps, ça demande de l'effort, ça demande de l'énergie, de chercher ma face. Et non seulement on peut se limiter là, la Bible dit de se détourner de ses mauvaises voies. La Bible déclare ceci, que le méchant abandonne sa voie. Que l'homme d'iniquité abandonne ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, à Dieu qui aura pitié de nous. Notre Dieu est un Dieu miséricordieux. Si nous abandonnons nos voies et nous retournons vers le Seigneur, il aura pitié de nous.
Voilà, peuple de Dieu, je vais nous encourager avant de commencer notre jeûne et prière. Que chacun rentre à lui-même, que chacun fasse l'introspection de sa vie. Qu'il regarde, qu'il s'humilie devant Dieu, qu'il prie, qu'il cherche la face de Dieu et qu'il abandonne ses mauvaises voies. La Bible déclare, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Nous avons besoin de la miséricorde de Dieu à la seule condition d'avouer et d'abandonner. Et la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux, mais il fait sa grâce, il accorde sa grâce aux humbles. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce moment si important auquel je voulais vous inviter à comprendre que l'heure est grave. C'est le temps pour nous, les chrétiens, de nous lever dans la prière. Ce n'est pas un temps de distraction. C'est le temps pour nous de pouvoir faire des choses que nous ne pouvions pas faire autrefois quand on avait toute la liberté. C'est le temps pour nous de chercher la main, de chercher la face du Seigneur. C'est le temps pour nous de prier. Parce que la Bible dit, l'Éternel est celui qui exauce la prière. Tous les hommes viendront vers lui. Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux. En ce moment, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais nous inviter à pouvoir nous incliner à la présence de Dieu, à dire un mot, à dire merci à Dieu pour sa grâce, merci à Dieu pour sa miséricorde, merci à Dieu pour sa présence, merci à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire dans nos vies. Il nous garde en vie, nous sommes en vie malgré les confinements, malgré tout ce qui se passe à gauche et à droite. Dieu nous protège. Il est pour nous un bouclier. Il est pour nous une aide qui ne manque jamais au temps de détresse. Un aide qui ne manque jamais. Ce Dieu-là est grand, ce Dieu-là est merveilleux. Nous pouvons élever nos voix dans la prière. Nous pouvons dire merci à Dieu pour ce temps. Nous pouvons bénir sa présence. Dieu, nous te disons merci. Nous sanctifions ton nom. Nous bénissons ton nom parce que tu es puissant. Nul n'est comparable à toi. Nous venons ce matin, ô Dieu, entre tes saintes mains. C'est toi qui es capable, Seigneur, de nous garder en vie. La Bible déclare, c'est toi qui donnes l'héritage aux saints. C'est toi qui nous édifie. C'est toi qui nous construis. C'est toi qui nous protège. Il est écrit dans ta parole, si l'Éternel ne garde pas, ceux qui gardent, gardent en vain. Si l'Éternel ne veille pas sur une ville, ceux qui gardent, veillent en vain. Seigneur, merci. C'est toi qui es le Seigneur. C'est toi qui as la main ouverte pour nous bénir, la main étendue pour nous changer. Oh Dieu, merci. La Bible déclare, ta main n'est pas courte pour nous guérir. Seigneur, nous savons que la guérison est là, Seigneur. Nous savons que la guérison est là, Seigneur. Nous savons que la guérison est là, Seigneur. Nous savons que tu es le Dieu, le maître des temps et des circonstances. Nous bénissons ton nom parce que tu es merveilleux. Nous élevons ta présence, alléluia, alléluia, hosanna, Jésus-Christ de Nazareth, hosanna. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la majesté, nous ne comptons que sur toi. Nous ne comptons que sur toi, nous ne comptons que sur toi. Nous bénissons ton nom parce que tu es bon. Nous te louons, 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 Seigneur, merci. Ce soir, nous voulons te dire merci. Ce soir, nous voulons bénir ton nom. Ce soir, nous voulons sanctifier ta présence. Ce soir, nous voulons te dire, Seigneur, sans toi, on ne peut rien faire. Viens nous secourir, Seigneur. Viens à notre aide, Père de gloire. Nous avons besoin de toi, Éternel. Nous avons besoin de toi, Éternel. Jéhovah Éternel, notre Dieu, toi qui ne changes pas. La Bible dit, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous ne comptons que sur toi, Seigneur. Nos yeux sont tournés vers toi. La Bible déclare, ô Dieu, quand on tourne les regards vers toi, on est rayonnant de joie. Et notre visage ne se couvre jamais de honte. Seigneur, merci, Père de gloire. La confusion n'est pas notre portion. La mort n'est pas notre portion. Le malheur n'est pas notre portion. La Bible déclare, gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. La Bible dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Oh Seigneur, merci, merci. Tu es le Seigneur, tu es le faiseur de chemin. Tu es le faisant de chemin. Tu peux créer les chemins, là il n'y a pas de chemin. Seigneur, nous comptons sur toi, nous comptons sur toi, nous comptons sur toi, nous comptons sur toi, nous comptons sur toi. Nous voulons te bénir, nous voulons te bénir.
bénir, nous voulons te bénir, nous voulons te bénir. Alléluia, 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 alléluia. Tu as dit dans ta parole, si nous nous humilions, si nous prions, si nous cherchons ta face, si nous nous détournons de nos mauvaises voies, Seigneur, tu nous exauceras. Ô Dieu de cieux, tu nous exauceras. Ô Père, tu pardonneras nos péchés. Ô Dieu, tu guériras notre pays. Nous avons besoin de, que tu puisses guérir, que tu puisses guérir notre pays. Nous avons besoin que tu puisses guérir l'Angleterre, l'Italie qui était ravagée, Seigneur. Nous avons besoin que tu puisses guérir, Seigneur. Voilà pourquoi nous venons vers toi, Seigneur. 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 La Bible dit deux ou trois, s'ils sont accordés en ton nom, tu es là au milieu d'eux. Seigneur, merci, merci. Dans nos maisons, tu es là. Dans nos maisons, tu es là. Dans nos familles, tu es là, Seigneur. Nous voulons te bénir cette nuit. Nous voulons te dire merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Nous voulons sanctifier ta présence. Nous voulons bénir ton nom. Alléluia. Hosanna, 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 l'Éternel, notre Dieu, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, glorie les mazika la mama yagam de le shekele mama. Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, glorie les mama zika la mama gam de le shekete kele mama. Sois loué, sois béni, sois magnifié, Éternel, sois glorifié, notre Dieu. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu es le maître des temps des circonstances. Tu es le Seigneur qui ne change jamais. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous ne comptons que sur toi. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ta présence. Nous t'élevons parce que tu es Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui crée les chemins, le Dieu qui n'a jamais changé, le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Rimboko konda manaskele gama. Le faiseur de chemin, le faiseur de chemin, le faiseur de chemin. We meka, miracle wonder. We thank you. Yahweh to pay your mercy. Yahweh to pambolio, Yahweh to pambolio, Yahweh to pambolio, Yahweh to pambolio, Yahweh to pambolio. Je te prie, merci. Zambé n'a pas besoin de toi. Alléluia. 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 Il est écrit dans ta parole. Invoque-moi au temps de détresse. 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 Invoque-moi au jour de la détresse. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Seigneur, nous voulons t'invoquer en ces temps. Nous voulons t'invoquer, Seigneur. Nous voulons t'invoquer, Seigneur. Alléluia. La Bible dit, tu ne veux pas le malheur, tu ne veux pas la mort des péchés. Voilà pourquoi nous sommes venus pour te dire, Seigneur, viens à notre secours, viens à notre secours, viens à notre secours, viens à notre secours. Tu es le Seigneur, viens à notre secours. Nous voulons bénir ton nom, viens à notre secours, viens à notre secours. Nous voulons te lui merci, nous voulons te dire merci, nous voulons te dire merci. Alléluia, 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 alléluia. Viens à notre secours, viens à notre secours. L'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu es le maître des temps des circonstances. Nous voulons bénir ton nom, nous voulons te louer, nous voulons magnifier ta grandeur, nous voulons t'adorer. Alléluia, merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Merci, nous sommes en vie, Seigneur. Merci pour le souffle de vie. La Bible dit en toi, nous avons l'esprit, l'être et la respiration. Seigneur, merci, nous avons le mouvement. Nous pouvons bouger, nous pouvons bouger, nous pouvons respirer et nous pouvons vivre. Nous avons l'être en toi, Seigneur. Tu es le maître des temps des circonstances. Nous te disons merci, alléluia, hosanna, 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 glorie les mamans, gamdorotéke les mamans, alléluia, 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 hosanna, 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 topambuli komona hosanna, nzambe na mawa, hosanna, 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 alléluia, 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 hosanna. Hosanna, alléluia, alléluia, hosanna. Glorie les mamans, maman, ganda la zeke les mamans. Yahweh to tondio, Yahweh to tondio, Yahweh to pambolio, 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 hosanna, 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 hosanna. Alléluia, 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 alléluia. Glorie les mazikara, maman, ganda lo jikolo, maman, ganda la zeke les mamans. Sois loué, sois béni, sois magnifié, sois béni, sois magnifié, sois béni, sois magnifié, sois loué, éternel. Le Dieu d'Abraham, sois loué éternel, le Dieu d'Abraham, sois loué éternel, le Dieu miséricordieux, le Dieu miséricordé, accorde-nous ta grâce et ta faveur, ta miséricorde sur nous. Nous voulons te dire merci, nous voulons élever ton nom, nous voulons bénir ton nom. Alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Oh yes. Alléluia.
Jésus, mon meilleur ami, Jésus est le meilleur ami. Il est avec nous, il nous soutient par sa grâce, par sa miséricorde. Un meilleur ami, un ami qui ne peut jamais te décevoir. Un ami qui ne peut jamais te trahir. Jésus est le meilleur ami, même dans le malheur, il est avec toi. Jésus a donné sa vie bien-aimée dans le Seigneur. Vous comprenez, tout le monde aspire à la vie. Tout le monde veut vivre. Personne ne veut se donner la mort. Mais un jeune homme de 33 ans, il a accepté d'aller sur la croix. Le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, le maître des temps et des circonstances, le sauveur de l'humanité, il a donné sa vie à 33 ans. Il a accepté de mourir, il a accepté de prendre ta place, il a accepté de prendre ma place. Il a accepté d'être pendu sur la croix, à la croix, le lieu de la malédiction, à la croix, la mort de la croix, la mort de la honte. Il a été déshabillé, il a été percé de gauche à droite, il a été exposé à l'ignominie. Non, il a été trahi, il a été abandonné seul sur la croix. Même le voleur qui était encore à son côté a commencé à lui lancer des paroles dures. Mais Jésus, le meilleur ami, il a fait pour toi, il a fait pour moi. Même si tu étais seul sur le monde, Jésus aurait venu pour mourir sur la croix à cause de toi. Même si tu étais seul, il a dit dans sa parole, le docteur ne vient pas pour ceux qui sont en bonne santé. Jésus-Christ est là pour vous et moi. Jésus-Christ est là pour vous et moi. Et la Bible déclare, les bontés de l'Éternel nous poussent à nous repentir. Le bonté de Dieu nous pousse à changer. Le bonté de Dieu nous pousse à nous amener, à nous approcher de Dieu. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. En ce moment, nous pouvons croire à sa bonté. Nous pouvons croire à sa miséricorde. Nous pouvons croire à son amour. Nous pouvons accepter son amour. Nous pouvons accepter son amour. Que personne ne te trompe, malgré tout ce que nous avions fait dans le passé. Que personne ne vienne te tromper. Le Seigneur t'aime. Jésus t'aime tel que tu es. Jésus t'aime tel que tu es. Jésus est venu pour vous et moi, à condition que nous pouvons accepter de nous humilier devant sa face. À condition que nous pouvons accepter de retourner vers lui. Parce que lui ne lasse pas de pardonner. À notre Dieu qui ne lasse jamais de pardonner. Retournons vers lui. Il est Dieu d'amour. Il est Dieu bon. Voilà que cet amour. La Bible dit, lui qui n'a pas connu de péché. Lui qui n'a même pas connu de péché. Quoique n'importe quelle nature du péché. Mais la Bible dit, Dieu l'a fait devenir péché. Afin que nous devenions justice de Dieu. Quel amour, quel sacrifice. Il a fait ça pour vous et moi. Oh, ce Dieu l'a émerveillé. Moi, je crois à son amour. Je crois à sa bonté. Je crois qu'il est bon. J'aimerais que nous puissions confesser que Dieu, tu nous aimes. Dieu, tu nous aimes. La Bible dit l'Éternel, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'aimerais que nous puissions confesser l'amour de Dieu dans ta famille, l'amour de Dieu dans ces pays, l'amour de Dieu dans ton pays d'origine, l'amour de Dieu dans ta famille restreinte ou éloignée, l'amour de Dieu dans ton église, l'amour de Dieu dans ta communauté, l'amour de Dieu dans ta maison. J'aimerais que nous puissions confesser que l'amour de Dieu, l'amour très vaste, l'amour très grand de Dieu, l'amour du Seigneur, l'amour de Dieu. Nous voulons confesser cet amour, alléluia. Rembo koto anama. Seigneur, je confesse ton amour envers moi, Seigneur. Tu m'as aimé, Seigneur. Tu m'as aimé, alléluia. Je confesse, Seigneur, je crois à ton amour. Je crois que tu m'aimes, je crois que tu es avec moi. Je crois que tu es avec moi, même si les montagnes chancellent, même si les hommes m'abandonnent, même si tout le monde m'abandonne, mais je crois que tu ne m'abandonneras jamais. La Bible dit, tu ne me délaisseras jamais, tu ne m'abandonneras jamais jusqu'à la fin de ce monde. Seigneur, je crois à ton amour, je crois à ta présence, je bénis ton amour. Dieu d'amour. Hallelujah. Oh, Rembo Koto Kolomana Sekele Magamdolo Dukalama Magamdara Mamama. Hallelujah. Oh, le Moskala Gamdolo Gomdolo Chekele Mamakamdala Sekele Mama. Seigneur, je te dis merci. Ton amour est grand. Ton amour est grand.
Ton amour est vaste, ton amour est puissant, ton amour est merveilleux, ton amour est merveilleux, ton amour est merveilleux. Alléluia, alléluia, mon âme te bénit, mon âme t'adore, mon âme te loue, mon âme te loue, mon âme te loue, mon âme te loue, mon âme te loue. L'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Seigneur qui me soutient par sa main puissante. Seigneur, je crois ton amour, je crois tout ce que tu as fait, je crois tout ce que tu as fait sur la croix, afin que je sois sauvé. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde, merci parce que tu es là. Je t'ai béni, j'ai béni ton nom, Seigneur. Je sanctifie ta présence, oh Dieu. Je te loue parce que tu es merveilleux. Je te loue parce que tu es merveilleux. Je te loue parce que tu es merveilleux. Je te loue parce que tu es bon. Je te loue parce que tu es merveilleux. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, sois loué, sois béni, sois magnifié. Merci pour ta présence, merci pour ton amour. J'ai béni ton nom, j'ai béni ton nom, alléluia. Rimbo koto kolo mari kala mama zikala mama. Indele mama gando lo jukolo mama ganda la sekele mama. Alleluia, 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 alleluia. Rimbo koto kolo mari kala mama ganda la sekete kema. Loue, lève ta voix, bénis l'Éternel pour son amour. Bénis l'Éternel, ne regarde pas seulement ton côté sombre. Ne regarde pas le côté noir de ta vie. Ne regarde pas le côté noir de ta vie. Ne regarde pas ce que les gens disent contre toi, sur toi. Ne regarde pas ce que le monde te crucifie, te condamne. Ne regarde pas le côté noir. Regarde un autre côté, la justice de Dieu. La Bible dit notre justice est comme un lambeau sué devant l'Éternel. Personne ne peut se glorifier de sa justice. Personne ne peut se glorifier de ses biens. Jésus-Christ l'a fait pour nous. Pour nous, Jésus-Christ l'a fait pour vous et moi. Il a fait, il a accompli sur la croix. La Bible dit, il s'est écrit et tout est accompli. Il a accompli sur la croix. Il a versé son sang sur la croix. Il a versé son sang sur la croix. Compte sur le Seigneur, compte sur le Seigneur. Il est notre justice, il est notre amour. Il est notre bouclier, c'est lui qui nous soutient. Il est notre justice, compte sur lui. Ne compte pas sur toi-même, ne compte pas sur ta justice. Ne compte pas sur tout ce que tu peux faire. Ne compte pas sur toutes les formules que tu peux fabriquer. Ne compte pas sur les hommes, ne compte sur personne. Mais compte sur le Seigneur, regarde sur le Seigneur. Ne compte pas sur ton côté noir. C'est à cause de ce côté noir que Jésus est venu. C'est à cause de vous et moi. Paul a dit, Jésus est venu sauver, chercher les pécheurs dont je suis le premier. Je suis le premier parmi les pécheurs. Jésus est venu me chercher. Seigneur, merci pour ton amour. Ton amour est grand. Oh Dieu, les gens de bonne vie, les gens de bonne vie cherchent aussi leurs amis. Les amis qui les ressemblent, Seigneur. Mais toi, tu es venu, tu allais tout laisser, tout abandonner. Toi qui étais Dieu, à l'égard de Dieu. Oh Dieu, tu n'as pas regardé ça comme une proie arrachée à être égal à Dieu. Mais tu t'es mis humilié. Tu as pris la chair humaine, la chair des hommes comme moi. Seigneur, tu as été, tu es descendu sur la terre pour nous donner la vie. Hallelujah, 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 hallelujah. Seigneur, je te dis merci. Tu es Dieu, tu es tout puissant, tu es capable de tout. Mon âme te bénit, mon âme t'adore, mon âme te loue, 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 mon âme te loue. Rimbo koto kolo mama gandolo jikele mama yagala mana. Rimbo koto kolo malikele magikala mama yagala magikele mama maya. Vibiolo gandolo jikolo mama gandolo jikele magala mana skala gandolo shekele mama. Vibiolo gandolo gandolo jikele mama gandara yele mama maya. Vibiolo gandolo jikele mama gandara shekele mana gandolo yeba. Alléluia, 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 alléluia. Seigneur, nous voulons te dire merci. Dans le nom de Jésus, j'aimerais que nous puissions confier la journée d'aujourd'hui parce qu'on est déjà samedi. J'aimerais que nous puissions confier cette journée entre les mains de Dieu. J'aimerais que nous puissions prier afin que le Seigneur nous assiste, afin que le Seigneur soit avec nous toute la journée de jeûne et prière où nous allons commencer. Il y aura des moments de prière, il y aura des moments d'écouter la parole de Dieu, il y aura des moments où nous allons célébrer devant la face du Seigneur. J'aimerais que tu pries, j'aimerais que tu confies cette journée entre les mains de Dieu. J'aimerais que le Seigneur te donne la force. Demande à Dieu de te donner la force. Demande à Dieu de te donner la force d'être présent, d'être présent, d'être présent. Demande à Dieu de te donner la force de prier. Demande à Dieu de te donner la force de prier. Remets à Dieu cette journée. La Bible dit, remets à l'Éternel ton sort et il y agira. Nous voulons prier, nous voulons demander la grâce de Dieu, que Dieu vienne à notre secours, qu'il nous soutient par sa main puissante. Nous élevons nos voix dans la prière dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci. Seigneur, nous voulons bénir ton nom. Seigneur, nous voulons élever ta grandeur. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Alléluia, 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 alléluia.
Alléluia, alléluia, tu es bon, tu es merveilleux. Nous voulons bénir ton nom, nous voulons bénir ton nom, nous voulons bénir ton nom. Alléluia, gendolojikele mama ya gandolojikala mama gandara sekele mama. Ulu mama gandolojikele mama ya gala mama ya gana mana gandolojikele mama. Alléluia, 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 alléluia. Yahweh, 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 nous voulons bénir ton nom, nous voulons bénir ton nom, nous voulons bénir ton nom. Seigneur, je remets la journée de demain entre tes saintes mains. Je demande la force, la force, la force, la force, l'énergie spirituelle, l'énergie physique, soutiens-moi par ta main puissante, Seigneur, que ces moments soient bénis, Seigneur. Accompagne-nous, Seigneur, dans ces moments. Soutiens-nous, Seigneur. Révèle-nous ce qui est caché. Aide-nous à prier. Aide-nous à nous appliquer à la prière. Aide-nous à chercher ta face. Aide-nous, Seigneur Dieu, ô Dieu, dans cette journée que nous allons commencer à prier. Seigneur, soutiens-nous, sois avec nous, Seigneur. Nous demandons ta force, nous demandons ta force, nous demandons ta force. Dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Nous allons anéantir toute force de l'ennemi. Nous allons détruire toute puissance et distraction. Nous allons détruire tout ce que l'ennemi pourrait préparer pour nous attaquer. Vous savez, quand les gens, les hommes se décident pour prier, quand les hommes se décident pour chercher la face de Dieu, c'est là où l'ennemi s'élève comme le flot de la mer pour nous envahir, pour nous affaiblir dans nos pensées, dans nos corps physiques, pour venir avec beaucoup d'autres choses, dans l'incompréhension, dans des batailles stériles. Nous allons chasser toute œuvre de l'ennemi. Nous allons chasser tout ce que l'ennemi a préparé. Nous allons chasser dans le nom de Jésus. La Bible dit quand l'ennemi s'élèvera comme le flot de la mer, l'esprit de l'Éternel le mettra en déroute. Nous allons prier que toute la force de l'ennemi diabolique soit mise à côté dans le nom de Jésus. Prenons l'autorité sur ça au nom puissant de Jésus. Nous détruisons l'œuvre de l'ennemi. Nous détruisons le programme satanique. Nous détruisons le programme de l'ennemi. Nous détruisons toute la distraction diabolique. Oh, tout ce que l'ennemi pourrait préparer pour nous empêcher, pour nous distraire dans le nom de Jésus. Toute négligence, toute fatigue physique, toute fatigue spirituelle. Oh, au nom puissant de Jésus, nous chassons cela dans le nom de Jésus. Nous chassons cela dans le nom de Jésus. Nous chassons au nom de Jésus toute malaise dans le nom puissant de Jésus. Libère mon corps, libère le corps de mes frères et sœurs au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Toute la distraction, nous chassons cela au nom de Jésus. Nous chassons la distraction satanique et diabolique. Nous chassons la distraction satanique et diabolique. Nous implorons la grâce de Dieu, nous implorons la faveur de Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Rimbo kotokolo mama zikele mama gandolo jikolo mama gandala mama vibiolo gondolo jikele mama gandala yega mala mala rimbokoto mama maya gala mazikele mana gana mazikele mana gandolo jikele mama vibiolo gondolo jikolo mama gandala sekele mama vibiala gandolo jikele mama gandolo shamba kala mama. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, la victoire est certaine. Je prophétise la victoire, je prophétise la victoire. Comme le Seigneur il est, comme le Seigneur est Alpha et Omega, je prophétise, tout va bien. Je prophétise dans le nom de Jésus. Il est l'Alpha et l'Oméga. Au nom puissant de Jésus. 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 Alléluia. Randolo Jukolo Mama Gandala Yekale Magamdala Zekele Mama Gandala Jukala Mama Mama. Alléluia. Gandolo Gandala Baba 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 Baba. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, nous demandons ton secours, Seigneur, nous demandons ton secours, nous demandons ton aide, alléluia, tu es le Seigneur, alléluia, tu es le Seigneur, alléluia, tu es le Seigneur, alléluia, le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse, alléluia, gamdala, gamdala, baba, 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 ramdolo, gamdala, baba, 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 ramdolo, gamdala, mama, baba, 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 rimbo, kotokolo, mama, mama, ramdolo, gamdala, baba, 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 ramdala, gamdala, baba, ba 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 ya sekele gamdala mama rembo kotokolo magikele mama ikala mama. Seigneur, nous voulons te dire merci. Alléluia, 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 alléluia. Rembo kotokolo mama. La Bible dit invoque moi je te répondrai. Alléluia, je te ferai connaître, je te ferai connaître les choses cachées, je te ferai connaître les choses cachées, les choses que vous ne connaissez pas. Le Seigneur est celui qui nous soutient. Le Seigneur est celui qui a les mystères. Le Seigneur est celui qui connaît toutes choses. Le Seigneur qui a la sagesse de nous aider. Le Seigneur qui est Dieu. Le Seigneur qui est Dieu. Dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus.
Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant 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 de Jésus. Prenez l'huile, si vous avez la bouteille d'huile sur vous, prenez l'huile dans le nom de Jésus. Commencez à appliquer l'huile sur vous. Si vous avez une bouteille d'huile là, prenez l'huile, prenez la bouteille d'huile, prenez la bouteille d'huile, prenez la bouteille d'huile. Commencez à vous expliquer. Prenez la bouteille d'huile dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Que l'onction de Dieu, 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 que l'onction de Dieu dans le nom de Jésus. Que l'onction qui brise les jougs, que l'onction qui brise les jougs, que le joug de l'ennemi soit brisé, 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 que l'onction qui brise les jougs. L'onction qui brise les jougs dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que les jougs de l'ennemi soient anéantis, que les jougs de l'ennemi soient brisés, que les jougs de l'ennemi soient brisés, que l'onction de Dieu soit sur nous, que l'onction de Dieu sur nous, alléluia, l'onction de Dieu sur nous. Au nom de Jésus, que l'onction de Dieu, par la raison de l'onction, Seigneur, que l'onction de Dieu soit sur moi, que l'onction de grâce, l'onction de faveur, l'onction de la prière, l'onction qui va m'amener à prier dans le nom de Jésus, que le joug de l'ennemi soit brisé, que tout fardeau non nécessaire soit brisé, que tout fardeau inutile soit brisé, que toute puissance satanique soit brisée, que tous les mauvais rêves soient brisés dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que toute lourdeur soit brisée, que toute lourdeur soit brisée dans le nom de Jésus. Je reçois l'huile de joie, l'huile de joie, l'huile de force dans le nom de Jésus, l'huile de joie et de force dans le nom de Jésus. La Bible dit par la raison de l'onction, le joug sera brisé, que le joug de l'ennemi soit 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 anéanti, que le joug de l'ennemi soit anéanti dans le nom de Jésus, 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 que les jougs de l'ennemi soient anéantis au nom puissant de Jésus, que les jougs de l'ennemi soient anéantis au nom de Jésus, que les jougs de l'ennemi soient anéantis. Je suis fort, je reçois la force divine, 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 je reçois la force divine dans le nom de Jésus. Que mon atmosphère soit assainie, que l'atmosphère soit assainie, que l'atmosphère soit changée au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je reçois la force, l'onction pour rendre solide les anticorps, l'onction pour rendre solide les anticorps, l'onction pour rendre solide les anticorps, l'onction pour rendre opaque, impénétrable ton corps et tes anticorps dans le nom de Jésus. L'onction de Dieu, l'onction qui brise le joug de l'ennemi, l'onction qui limite la force du diable, l'onction qui fait arrêter la force du diable, l'onction qui chasse les démons, l'onction qui chasse les démons, l'onction qui guérit les malades, l'onction de Dieu, l'onction de Dieu. La Bible dit ne touchez pas à mes oints, ne faites pas du mal à mes prophètes. J'interdis dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, toute la menace satanique, toutes les attaques diaboliques, tout ce qui se lève le matin, le midi, le soir, contre ma vie, contre ma destinée, contre cette maison, contre cette église, contre le peuple de Dieu, contre mes frères et sœurs. Que l'onction de Dieu brise dans le nom de Jésus. L'onction qui guérit ceux qui sont malades, ceux qui sont affectés. L'onction qui guérit ceux qui sont affectés, nos frères et sœurs qui sont affectés, de près ou de loin, dans le nom de Jésus. L'onction de Dieu, nous libérons 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 la guérison au nom de Jésus, 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 nous libérons la puissance de Dieu, nous libérons la puissance de Dieu. Rimbo kotokolo mama gandolo tikele mama ikala mama gandolo zekele mama ikele baba. Dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Jésus a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oué pour annoncer la bonne nouvelle. Il m'a oué pour déclarer la bonne nouvelle, pour programmer la bonne nouvelle, pour libérer ceux qui sont captifs, pour libérer les prisonniers, pour libérer ceux qui sont sous le joug de l'ennemi. Que le joug satanique soit brisé, que le joug satanique soit brisé,
que les jougs sataniques soient brisés, que les jougs sataniques soient brisés, que le programme satanique soit brisé, que le programme satanique soit brisé. Oh, kapara kapara, que la grossesse satanique soit avortée, que le programme d'ennemi soit avorté, que le programme d'ennemi soit avorté par l'onction, que le programme satanique contre ma vie, contre ma santé, contre ma destinée, contre ma maison, contre ma femme, contre mes enfants, contre ma famille, contre mes frères et sœurs, contre les mamans et les papas, soit avorté, que le programme de l'ennemi soit avorté, que le programme de l'ennemi soit avorté, que les plans de l'ennemi soient avortés, que le programme satanique soit avorté, que le programme de l'ennemi soit avorté, que le programme de l'ennemi soit avorté, que le projet de l'ennemi soit avorté, que le projet de l'ennemi soit décodé, décodé, déplié, déprogrammé dans le nom de Jésus, dérouté, que cela soit arrêté, que cela soit arrêté, que cela soit arrêté par l'onction de Dieu. Je ne suis pas une victime, je suis un vainqueur, je ne suis pas une victime, je suis un vainqueur par l'onction de Dieu, je ne suis pas une victime, je suis un vainqueur par l'onction de Dieu. Le filet de l'oiseau est brisé, 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 le filet de l'oiseau est brisé par l'onction de Dieu. Le filet est brisé, 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 le filet est brisé au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. C'est toi qui prépares une table devant moi en face de mes adversaires. Tu ouais ma tête, tu ouais ma tête, tu ouais ma tête et ma coupe déborde. Que par l'onction, laisse que ma coupe déborde, laisse que ma coupe déborde, laisse que ma coupe déborde dans le nom de Jésus. Par l'onction de Dieu, laisse que ta coupe déborde, laisse que ta coupe déborde dans le nom de Jésus. Par l'onction de Dieu, que les jougs de l'ennemi soient brisés, que la force satanique soit brisée, que le programme de l'ennemi soit brisé contre ta vie, contre ta maison, contre ta famille. Que le programme de l'ennemi soit brisé, que le programme de l'ennemi soit brisé, que le programme de l'ennemi soit brisé. Par l'onction de Dieu, tu n'es pas une victime. Alléluia, tu es victorieux, victorieux, victorieuse dans le nom de Jésus. Tu es victorieux, tu es prince et princesse de Dieu dans le nom de Jésus. Tu es prince et princesse de Dieu dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Partout tu iras, l'onction de Dieu va te préserver contre les malheurs. L'onction de Dieu va te préserver. L'onction libère l'ange, le ministère angélique. Que l'onction libère le ministère angélique dans le nom de Jésus. Que l'onction de Dieu t'apporte la provision, que l'onction de Dieu apporte la paix, la paix, la paix, la paix dans ton cœur. Shalom, rien ne manque, rien n'est brisé. Que l'onction travaille en toi, que l'onction travaille en toi, que l'onction chante des choses en toi. Dans le nom de Jésus, alléluia, alléluia, alléluia. Par la raison de l'onction, que le joug soit brisé, que le joug de l'ennemi soit brisé, que l'impact de l'ennemi sur toi soit brisé. Dans le nom de Jésus, j'aimerais que tu imposes la main sur toi pendant que je suis en train de prier, pendant que je suis en train de déclarer des paroles prophétiques sur toi, que l'onction de Dieu parle, la raison de l'onction de Dieu, que le joug satanique, que le joug de l'ennemi soit brisé dans le nom de Jésus. Que le joug des maladies, des syndromes, des maladies, des séquelles sataniques, la peur qui règne dans ton cœur soit anéantie dans le nom de Jésus. Par la raison de l'onction, que tout vent de l'ennemi soit chassé au nom de Jésus. Que l'atmosphère soit assainie dans le nom de Jésus. Par l'onction de l'ennemi, tu es préservé. Préservé pour un but. Préservé pour un but. Préservé pour un but. Préservé pour un but, préservé pour un but, gardé pour un but, dans le nom de Jésus. Aucun malheur ne s'approchera de ta tente, aucun fléau ne s'approchera de toi. 1000 tombera d'un côté, 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. Dans le nom de Jésus, que l'onction de l'ennemi de Dieu brise la force de l'ennemi, brise l'influence de l'ennemi, brise la puissance de l'ennemi, brise toute conspiration contre ta vie dans le nom de Jésus, toute imprécation, toute mauvaise parole lancée contre toi, que l'onction brise cela dans le nom de Jésus. Que l'onction de Dieu continue à agir sur toi et dans ta vie dans le nom de Jésus. Que l'onction de Dieu continue à agir dans le nom de Jésus. Ton Goliath est tombé, ton Goliath vient de tomber, ton Goliath vient d'être tombé dans le nom de Jésus. Par l'onction de Dieu, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Que l'onction de Dieu change ta vie dans le nom de Jésus. Que l'onction de Dieu change ta vie. Oh Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour l'onction de Dieu. Merci dans le nom de Jésus. Merci Seigneur.
Merci. Soutiens-nous demain, ô Dieu, aujourd'hui, pendant que nous sommes en train de prier. Fais-nous voir ta grâce, manifeste ton nom, manifeste ta grâce parmi nous. Fais-nous voir ton nom, fais-nous voir tes merveilles. Dieu, nous voulons vivre ta présence au milieu de nous. Dieu, nous voulons vivre ta présence au milieu de nous. Dieu, nous voulons vivre ta présence au milieu de nous. Nous voulons vivre ta présence au milieu de nous. Fais-nous voir ta grâce, fais-nous voir ta grâce, fais-nous voir ta grâce. Dans le nom de Jésus, 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 j'aimerais que tu prophétises au nom de Jésus. Je reçois la grâce de Dieu, je reçois la grâce de vivre, je reçois la grâce de marcher, je reçois la grâce de Dieu sur moi, la grâce de Dieu sur moi. Je suis béni au-delà de toute maladie, je suis guéri au-delà de toute maladie. Béni au-delà de toute malédiction, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je suis en sécurité, je suis en sécurité, je suis en sécurité, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je suis sous l'abri du Très-Haut, l'ombre de Tout-Puissant me protège, l'ombre de Tout-Puissant me garde, dans le nom de Jésus, j'aimerais que tu prophétises, l'ombre de Dieu te préserve, l'ombre de Dieu te garde, la présence de Dieu te garde, la présence de Dieu te protège, la présence de Dieu te garde, la présence de Dieu te garde, dans le nom nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu es merveilleux. Merci parce que tu es bon. Nous voulons sanctifier ton nom dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Waouh, Jésus est merveilleux. Shalom, peuple de Dieu, Jésus est bon, Jésus est grand. Voilà, nous avons voulu juste en faire une petite annonce. Juste une petite salutation ce matin, demain, aujourd'hui, excusez-moi, à 11h, pas 10h, mais à 11h, nous allons commencer notre direct. Nous avons un fardeau bien-aimé, j'aimerais que nous puissions porter ce fardeau ensemble. Nous allons prier pour nos pays, nous allons prier pour l'Europe, nous allons prier pour l'Asie, nous allons prier pour l'Amérique, l'Océanie, nous allons prier pour l'Afrique. Nous allons penser aux pays qui sont plus touchés. Nous allons leur demander, leur présenter à Dieu afin que cette plaie puisse s'arrêter, afin que l'expansion de ces virus s'arrête dans le nom de Jésus. Souvenez-vous, Élisée a pris du sel, il a injecté dans l'eau, il a dit ainsi par l'Éternel, j'assainis ces eaux et il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Nous avons la force, là, l'Église a le pouvoir de pouvoir assainir l'atmosphère par ta parole, parce que la Bible dit « La mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. » Si tu t'élèves dans la parole et que tu commences à prier le Seigneur, tout changera. N'ayez pas peur. Je sais que cette guerre a créé beaucoup, beaucoup de peur, beaucoup de crainte dans la vie de plusieurs enfants de Dieu. Je sais qu'il y a des gens qui ont peur, il y a des gens qui sont vraiment dans la peur totale. Moindre séquelles, moindre chaleur dans le corps, moindre petite fièvre, moindre tout, moindre quoi que ce soit, les gens sont paniqués. Mais la Bible dit, ne craignez rien, ni la terreur qui frappe la nuit, ni la contagion qui frappe pendant le midi, ni la plaie qui frappe pendant la journée. N'ayez que pas peur. Le Seigneur est avec nous, le Seigneur nous garde. Je dis ceci, ceci ne s'approchera pas de ta tente, ceci ne te touchera pas. Même si tu as été touché, tu seras délivré, tu seras délivré, tu seras délivré. La Bible dit, David a dit, oui, je ne mourrai point, je vivrai, afin de déclarer les œuvres de l'Éternel. Fais voir, change ta mentalité, renouvelle un peu tes pensées, renouvelle un peu ton intelligence, crois à ce que la parole dit. Ne crois pas à tes sensations, ne crois pas à tout ce que tu peux sentir. Parce qu'autrefois, avant même ce virus, on a eu des sensations, on a eu des fièvres, on a eu des tout, on a eu tout ça. Refuse ça, refuse de pouvoir être marqué par la peur. Job a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. N'aie pas peur. La Bible déclare, tout ce que vous direz sans douter, vous le verrez s'accomplir. Quand la peur entre, la foi sort. Garde ta foi, marche dans la foi. Au milieu des tempêtes, marche dans la foi. Souvenez-vous, Jésus était dans la barque avec ses disciples. Tout le monde commençait à avoir peur, tout le monde commençait à crier. Mais heureusement, ils ont réveillé Jésus. Maître, réveille-toi, car nous mourons. Ils avaient vu la mort, mais Jésus ne voyait pas la mort. Étant réveillé, la Bible déclare, il a dit seulement, vent, arrête ta flot de la mer, calme-toi. Et tout le monde était étonné de dire, quel est ce genre d'homme? Quel est ce genre d'homme à qui même la nature lui obéit? Vous comprenez bien, aimé, ce même pouvoir, nous avons le même pouvoir, nous avons le même pouvoir. Voilà le problème de nous, notre problématique c'est quoi? Nous croyons plus à ce que les diables nous disent, tout ce que les diables nous disent.
tout ce que les hommes nous critiquent. Nous croyons aux critiques des hommes qu'à ce que Dieu nous dit. Nous croyons que nous sommes... Nous, si on te dit, tu es mauvais, tu crois facilement avec ça. Tu crois facilement à ça. Si quelqu'un te critique, si quelqu'un te dit des mauvaises choses, tu crois facilement à ça. Mais alors que la Bible te dit que tu es fort, la Bible dit par toi, je détruirai la nation. Tu es entre la main de Dieu comme un marteau. C'est à toi de marteler. Chasse la peur. N'aie pas peur. Ne permets pas que la peur puisse entrer. La peur est une semence. Quand la peur entre, la peur, c'est une plateforme qui prépare que le malheur, le diable puisse entrer dans ta vie. Quand la peur entre, sache-le, tu te mets ta vie en risque. Tu mets ta vie en risque. Ça peut arriver. Refuse ça. Quand cela vient, refuse ça, rejette ça. La Bible dit, nous l'avons vaincu à cause de la parole de notre témoignage. Bien-aimés dans le Seigneur, gardons la foi. Au milieu des morts, au milieu des tempêtes, au milieu des difficultés, au milieu des confinements, au milieu des crises, au milieu d'isolement, gardons la foi. La Bible dit, je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point, je serai avec vous jusqu'à la fin de ce monde. Garde ta foi. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. Il a dit à Timothée, garde ta foi et combat le bon combat de la foi. Garde ta foi. Ne vois pas la mort partout. Est-ce que vous comprenez? Garde ta foi. Ne vois pas la mort partout. Lazare était mort. La voix de Jésus l'a ramené en vie. Garde ta foi. Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu est puissant. Et Dieu peut faire tout. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu peut agir. Dieu peut faire quelque chose dans ta vie. Voilà pourquoi, bien-aimés, je vais vous inviter à vous reposer un peu. Mais si vous voulez continuer à la prière après ce direct, faites ça. Le nom du Seigneur sera béni. Et demain à 11h, soyons déjà là, invitons nos amis, nos frères, et soyons là pour que nous puissions entrer dans la prière. Demain, nous aurons un invité qui va nous exhorter la parole de Dieu. J'aimerais que nous soyons là nombreux afin de recevoir cet homme de Dieu. Il a été avec nous, nous le connaissons très bien. C'est un bon prédicateur, quelqu'un qui parle bien de la part du Seigneur. Il sera là avec nous, le révérend pasteur John Rebot Mbabu. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas la chance de pouvoir l'écouter. Alors, j'espère que demain, ce matin, plutôt à 11h, nous serons avec lui. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Bonne nuit. Ciao.